j'ai passé plus de 2 ans et demi. Ouais, t'as fait plein de recherches. 2 ans et demi, et au point que j'ai appelé les pépiniéristes, bah, moi avec lesquels je travaille à titre perso pour chez moi, et les pépiniéristes, j'ai appelé les mairies et tout ça, et tous, c'est pas. Nous, on voulait impérativement quelque chose en local. Alors, vous voyez le chemin ici pour la contention des animaux, des journées qui sont très très chaudes, et ben on peut se dire, les animaux, cette journée-là, on les met ici, ils vont être bien, ils vont être à Londres, ils vont pouvoir bénéficier l'hygrométrie qui est particulière, hein, parce qu'avec les arbres, les bosquets qui est autour, il fait beaucoup beaucoup moins chaud, l'hiver est beaucoup moins sec. Et donc là, le but, vous allez voir, de l'opération, c'est de ramener la terre pour faire un talus qui va être à peu près haut comme ça. D'accord. Ramener la terre de chaque côté. Nantaise, donc c'est une race un peu spécifique, c'est la race que nos grands-parents avaient, qui a failli disparaître, qu'on a sauvé une extrémiste il y a par des années 90-95, mais il y a un gros travail de fait. Et puis maintenant, ben, on est plutôt en phase de développement, vous entendrez peut-être un petit peu parler de la race Nantaise sûrement de temps en temps. Quoi. Donc cette race, elle a quoi comme particularité? C'est-à-dire que c'est une race ancienne, donc on est sur des process longs, beaucoup plus longs que dans les races modernes, qui elles ont été sélectionnées pendant 10, 15, 20 ans, sur la vitesse de croissance, sur l'arrondi musculaire. Dans le fond du trou, complètement dans le fond du trou. Ensuite, on regarde, on met de la bonne terre, on va pas mettre des gros cailloux ou de l'herbe, tout ça. On va essayer de mettre de la bonne terre fine. On compacte et au fur et à mesure qu'on compacte, on tire dessus. On essaye des choses, mais ça va aller tellement vite qu'on ne fait que essayer. Voilà. On espère que ça va pas aller aussi vite qu'on le croit, malheureusement, et on espère que les essences vont avoir génétiquement une capacité à s'adapter un peu plus vite, mais c'est en se régénérant. Mais après, ça c'est le climat, mais c'est pas forcément les mêmes terroirs. Imagine que le sol c'est pas le même terroir, c'est pas le même climat, c'est pas la même hygrométrie. Ouais. Ça c'est compliqué, l'hygrométrie fond. C'est-à-dire que des hêtres, moi j'en plantais il y a 20 ans, en Loire-Atlantique, en haies bocagères ou en petits bosquets. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça ne marche plus du tout. C'est-à-dire qu'on les plante, ils meurent. Des hêtres, aujourd'hui, on en plante plutôt Côte d'Armor, mais sinon, ou en montagne.
c'est la contention des animaux pour les faire circuler, bouger d'une parcelle à l'autre. C'est aussi le fait que, ben, en période de canicule, ben, les animaux sont très 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 bien dans des endroits comme ça, très ombragés, très arborés. L'hygrométrie est bien différente. Donc en termes de bien-être animal, lorsque on a vu, enfin, au mois de juillet 2022, vous vous souvenez à peu près, on était tous à peu près dans un sèche-linge, hein, c'était ça. Eh bien, si les animaux ont la possibilité, et là c'est le cas sur la ferme de Coquerel, d'aller à l'ombre, de pouvoir aller dans les endroits où l'hygrométrie est un peu plus humide, eh bien, ils ont vraiment des conditions de bien-être animal comparées à des animaux qui n'auraient pas d'ombre en plein champ. Ce qui est important, c'est de comprendre que la haie, on plante la haie pour plein de raisons, mais d'abord c'est une vocation économique, il y a un intérêt économique sur la ferme. Ça sert à quelque chose. Et autrefois, les anciens plantaient des haies parce que ça servait à quelque chose. C'est pas une vue de l'esprit de planter des haies, quoi. On crée des mares parce que ça sert à quelque chose. C'est pas pour uniquement la biodiversité, avoir des têtards. Ça sert à quelque chose, les animaux boivent dedans. Et en même temps, ça participe à la biodiversité, à la possibilité d'une nature, on va dire, diversifiée, quoi. C'était de... On voulait faire une action pour la nature, pour la biodiversité, et on voulait du local. Il n'était pas question d'aller planter un arbre au Brésil ou à l'autre bout de la planète. Donc on a fait des recherches, surtout Sandra, sur toutes les possibilités qu'il y avait. Et on a découvert qu'à la Chambre d'agriculture, il y avait des projets qui étaient menés pour aider les agriculteurs locaux à replanter, reboiser les champs pour les bêtes ou pour les cultures. Les cultures et pour aussi permettre à la biodiversité de pouvoir se nourrir, s'héberger, entre guillemets. Ouais. Et ce qu'on voulait surtout, c'est qu'on voulait des plantations qui sont avec des essences d'arbres qui soient locales, c'est-à-dire qui soient, on va dire, plus prévu par rapport au climat qu'on a ici sur le secteur ligérien, donc en secteur Loire-Atlantique. Tous motivés et volontaires. Ouais, et matinales. Et c'est un projet qui a plutôt séduit l'ensemble des équipes, tous services confondus.